عسلامة، مرحبا بكم. اسمي شافية هنداوي. في العادة أنا حكم وصيعة كرة القدم، لكن ساعات نجري، نشارك في العادة في نصف ماراثون ولا ماراثون، لكن عم ناول وسنة شاركت في الألترا ميراج اللي هي 100 كيلومتر في الصحراء. السنة الفارطة كملت لا تروازيام فام و 15 جينيرال. البارح الباركور كان صعيب برشا، رمل وسخانة أكثر من عم ناول، كملت لسانكيام فام و يمكن لا ترونتيام جينيرال حاجة هكا. بشرى الونغانية أكسن، الأصل المغربية من أكادير. أولترا ميراج أول مرة تنديرو، أمير سولني العام الفايت ما قدرتش نجي هاد العام، قلت له طبعا غادي نجي لتونس بلدي تاني نجرب نشوف الصحراء ديالو. فايت ديجا العام الفايت درت ماراثون دي سابل في المغرب، وجيت تانية فيه 250 كيلومتر في الصحراء. قلت علاش لا ما نجرب الأولترا ميراج، نشوف الصحراء التونسية والحرارة. الحرارة ما عمري ما شفت هذه الحرارة أبدا. المرة الجاية غادي نجي أسبوع قبل، يعني جيت ما تأدبتيت مع ال، كانت عندي أكبر مشكلة هي الحرارة يعني في اليوم. Je m'appelle Oriane, j'habite à Paris. Alors j'ai fait un trail mi-juillet vers Grenoble. Donc j'avais un plan d'entraînement pour ce trail. Et ensuite ça m'a un peu fatiguée. Donc j'ai dû ralentir les entraînements et j'ai pas vraiment pu suivre la préparation que je m'étais fixée pour l'Ultra Mirage. Et j'ai fait le choix de me reposer plutôt que de suivre à la lettre mon entraînement, parce que en fait j'arrivais pas à avancer et j'étais fatiguée. Et au final ça s'est avéré plutôt positif. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une course magnifique. Donc c'est ma deuxième participation cette année et c'était encore une aventure, une très très belle aventure. Mais c'est une course qui est difficile. Oui, j'aimerais beaucoup revenir. Oui. Ouais. J'aime vraiment beaucoup cette course et toute l'ambiance à côté, l'organisation est super, les bénévoles sont extraordinaires. Najat Slimane, j'ai de Qasr Hlal. J'estime que tout le monde, je pense que tout le monde me connaît par la doyenne et la maman de tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je aussi, avec fierté, je dis que ce maillot, je l'ai mérité. J'ai mérité de le porter. Et surtout, tous les sponsors sont là. Et ils sont là. Voilà. Le plus grand sponsor, il va être Qasr Hlal déjà, celui-là. Parce qu'on va organiser la 4e édition marathon international de la ville de Qasr Hlal que j'organise moi-même. Ah, mais je ne veux plus voir des abandons. Il faut étudier la question pourquoi il y a autant l'année dernière et autant cette année, plus de 50 abandons. Je suis triste de voir ça. Mais je peux vous assurer, garantir que le parcours il est magique. Mais sur 100 km, à partir de 35 ans, et la chaleur et les difficultés ont commencé de terrain, c'est vraiment dommage de voir tous ces abandons. Et fier en même temps de dire que beaucoup, ils ont failli abandonner, que j'ai encouragé, que j'ai porté, que j'ai traîné jusqu'à l'arrivée. Et je suis fier pour ça.